Bonsoir, c'est une semaine importante qui s'ouvre sur Girondin TV puisqu'elle nous amènera jusqu'au choc de la 14e journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux se déplacent au Vélodrome dimanche à 21h face à l'Olympique de Marseille, le leader de la Ligue 1. Et cette Ligue 1, on va en parler, savoir comment Bordeaux s'est préparé pendant la trêve. On va le savoir avec le préparateur physique des Marinés Blancs, Eric Bédoué, qui sera l'un des invités de ce Clubhouse. Également au sommaire, l'actuel capitaine des Marinés Blancs, Grégory Sertic, en l'absence de Lamine Sané. Il est venu se confier sur le canapé de Girondin TV. Et puis nos U12, qui représentaient l'équipe de France à la Danone Cup au Brésil, ont pris une brillante 9e place. On va en parler avec le directeur du centre de formation des Girondins de Bordeaux, Patrick Battiston. Première partie de ce Clubhouse avec un premier invité, Eric Bédoué, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir sur le plateau de Girondin TV. C'est la trêve, les vacances ? Pas totalement quand même. Mais ça permet de... Allez, on se soulage, on pense à autre chose ? On pense à autre chose, mais enfin on travaille beaucoup. Bon, cette coupure à l'international, ça nous a permis de souffler un petit peu plus que d'habitude. Mais les deux trêves internationales précédemment nous ont permis de travailler beaucoup, quoi. Est-ce qu'on prend en repère sur justement ce qui s'est passé sur les deux premières, où les résultats derrière, le match qui suit, c'est pas toujours très bon, il y avait eu une défaite, un nul. Alors Willy Sagnol disait, on a eu défaite, nul, donc on va gagner la prochaine fois. Non, on ne tient pas compte de ça. Et dans la préparation physique non plus d'ailleurs, on ne tient pas compte des résultats, des choses comme ça. Je veux dire, il y a un programme à respecter. On essaye d'avancer en tenant compte aussi quand même des ressentis des joueurs. C'est surtout ça qui est important. Et puis bien sûr, on voit au travers des matchs si la prépa physique a apporté quelque chose ou si les joueurs sont fatigués, il faut faire une petite coupure. Mais les trêves internationales nous permettent justement de travailler beaucoup. Sauf un petit peu celle-là où on a travaillé de façon un petit peu différente. Il fallait souffler. Vous avez senti qu'il y avait une petite fatigue qui s'installait. Il fallait souffler. On a les tests qui arrivent donc la semaine prochaine, donc ils vont nous permettre de rééquilibrer encore le groupe. Mais on avait besoin de souffler un petit peu, donc ça nous a permis un peu de laver les têtes, laver l'organisme et tout ça, d'en profiter. Qui sont les plus fatigués, sans citer de nom ? C'est quoi, ceux qui ont le plus joué par rapport au temps de jeu ? Pas nécessairement. Justement, c'est ça qui est curieux, c'est qu'il y a des joueurs qui, plus ils jouent, mieux ils se portent, mieux ils se comportent dans un match, mieux ils se sentent bien. Et d'autres qui ne jouent pas ou qui jouent par intermittence, ceux-là ont du mal à trouver la bonne carburation. Alors, on dit qu'une trêve, ça peut faire du bien, mais ça peut aussi couper les pattes. Là, on restait sur 3 résultats positifs. Est-ce que vous avez un pressentiment sur celle-là ? Disons, quand on gagne et puis il y a une trêve internationale, ça tombe mal. Quand on perd, on a une trêve internationale, ça tombe toujours bien. C'est ce qu'on dit, mais nous, on ne tient pas compte de ça. Je veux dire, c'est pas lié à ça. Moi, j'avais trouvé dans les derniers matchs des choses très, très intéressantes au niveau physique. Très intéressantes, que je n'avais pas vues depuis le début de l'année. Et c'était encourageant. Et ça veut dire quoi, ça ? Justement, vous ne les aviez pas vus, donc il y a quelque chose qui s'est déclenché ? Moi, je pense qu'il y a une montée en puissance qui s'est effectuée, qui a mis du temps. C'est un groupe qui est jeune, donc qui n'a pas d'expérience dans le travail, dans la compétition. Et puis là, on voyait vraiment que contre Lens, hein, si on prend ce match-là, au niveau physique, au niveau de la combativité, on a été pas mal à ce niveau-là, pas mal. Et puis ça faisait quelques matchs et déjà on commençait, on a vu déjà Toulouse où ça s'est très bien passé. Le fait d'avoir joué aussi à 3 a peut-être motivé de façon physiologique aussi, hein, peut-être, hein, et de façon mentale et physiologique, un groupe qui avait peut-être besoin de ça. Donc on a trouvé j'ai trouvé une équipe quand même un petit peu différente. Et puis, dans le bon sens du terme, qui a vraiment... Le premier match contre Toulouse a été très, très bien, au niveau physiologique, très, très bien. Je ne parle pas du technique et tout ça, parce qu'on a gagné le match, donc c'est bien. Mais j'avais trouvé, moi, vraiment une emprise sur le match, alors que c'est une équipe difficile à jouer, très difficile à jouer. Et dans le match retour, pareil, on était à des passages un petit peu plus difficiles, mais dans l'ensemble, ça a été vraiment correct. Et puis Lens, ça a été un match un petit peu... différent dans la mesure où il fallait s'évaluer à des joueurs qui vraiment développaient un football physique.